comment structurer son récit. Alors, déjà, pour commencer, il faut faire un plan. Tu vois, tu fais un plan de qu'est-ce que tu veux raconter, dans quelle optique, parce que tu vas pas écrire de la même façon si c'est un poème ou un livre pour enfants que si c'est un récit d'horreur. Surtout si tu as l'intention un jour de finir adapté en film ou en série télé, ça peut être pas mal d'essayer de visualiser comment est-ce que tu vas écrire ton récit. Tu vois, avec quelle structure tu vas adopter. Donc là, j'étais en train de me dire, c'est quand même une base, la structure du récit. Comment est-ce que tu vas procéder? Et j'avais pris le temps de regarder les vidéos de mes confrères sur YouTube, qui sont eux au moins déjà auteurs, et qui ont déjà publié, qui ont eu des retours. Ça, c'est très intéressant. D'écouter les gens qui sont devant vous dans la pratique de votre art. Mais j'étais un peu déçu. J'étais un peu déçu parce que ils disaient jamais la même chose. Ils avaient tous une façon bien définie d'entrevoir la structure du récit. T'en as qui vont te parler de faire des plans ultra détaillé, on se focalise sur la structure du récit en trois étapes, c'est-à-dire avec l'incident déclencheur, le récit en lui-même, quoi, enfin le héros qui part à l'aventure, et le climax. Ça, c'est la vision de Yves Lavandier, l'auteur du livre La Dramaturgie, qui est très très bon et que je vous conseille d'ailleurs, mais on aura le temps d'en reparler une autre fois. En fait, cet homme, il me disait que quand tu divises ton histoire en trois étapes, ta première étape, l'incident déclencheur, ça doit se régler dans les 15 premières minutes à tout casser, et qu'ensuite tu as La deuxième partie qui prend quasi l'entièreté de l'histoire, en fait, c'est de la 15e minute à l'heure et demie, l'heure 45, selon la durée de ton film, parce qu'en l'occurrence, il est plus orienté film. Mais ce qu'il dit, ça s'adapte tout à fait au roman. Et enfin, le climax, c'est... Enfin, c'est pas le climax, c'est l'après, en fait. C'est l'après. C'est la résolution de l'intrigue, quelque part. Bah, cette résolution, c'est 5 pages maximum, voire 5 minutes en version film. Et ensuite, t'as fini. Bon, y a plein de façons de voir les choses, et lui-même ne dit pas que c'est la seule manière d'écrire des histoires. Avant tout ça, quand même, faut s'intéresser au sujet. De quoi est-ce qu'on veut parler? Alors moi, j'aime bien parler de concept versus situation. C'est-à-dire, tu lis certainement, ou tu as déjà lu, des mangas. Bon, pourquoi est-ce que ça marche, les mangas? C'est particulier. C'est parce que ça a une structure qui se veut rapide, fluide. On va tout de suite dans le vif du sujet. On n'a pas le temps de s'ennuyer. Elle est rare. Temps de pause, de contemplation, sont utilisés à des fins narratives. C'est pas, on ne fait pas du feu de l'amour, sauf si c'est un manga orienté feu de l'amour, comme les trucs pour petites filles, là, j'ai oublié. Bref, on se comprend. Et les mangas, justement, surtout dans le registre shonen, donc pour les jeunes adolescents, ça se situe pas mal sur le concept,
en fait. Tu te dis, bon, comment est-ce que je vais écrire une histoire originale qui va taper dans l'œil des lecteurs dès le début? Bon, bah écoute, je vais raconter une histoire avec des enfants qui sont en déclassement scolaire dans une école d'élite. Mais là, tout de suite, c'est chiant. T'as déjà vu ça 50 fois, il n'y a pas de problème. Comment est-ce que je vais sortir de l'eau? Eh ben, on va dire que les enfants, ce sont des assassins. D'accord. Pourquoi ta gueule, on est encore dans le concept, là. Mais du coup, ils doivent assassiner qui? Ah, ça, c'est une bonne question. Ben, ils doivent assassiner leur professeur. Là, déjà, normalement, tu commences à te dire, oula, c'est perché comme truc. Il y a un concept, tu vois. Et pour bien finir le truc, le professeur, c'est une grosse boule jaune, toujours en train de sourire, avec des énormes tentacules dans tous les sens. Donc là déjà tu te dis, ok, bon là c'est fini, je suis KO, c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi cette histoire. Ouais, mais on tient là un concept. Là, je viens de te décrire le concept d'Assassination Classroom, qui était un très très bon manga par... Et je crois même d'ailleurs, c'est une anecdote personnelle, c'est le tout premier manga que j'ai pris le temps de regarder sans avoir été poussé par mes copains ou amené à le regarder. Non, c'était, je crois que c'était sur Crunchyroll ou quelque chose comme ça. J'étais abonné, j'avais vu les miniatures des épisodes, je me disais, mais qu'est-ce que c'est que cette merde? Ça a l'air dingue. Oui, parce que le caca et la folie sont parfois corrélés. Et je m'étais dit, tiens, enfin, on va être curieux, on va voir ce que ça donne. Et dès les premiers épisodes, j'ai accroché parce que le concept était extrêmement fort. Et tout dans l'écriture nous poussait à avoir envie de connaître la suite. Parce que on va pas t'expliquer pourquoi est-ce que le professeur est un monstre tentaculaire. On va pas t'expliquer pourquoi il faut le tuer. On va juste expliquer le concept. Donc, le concept, c'est... il va détruire le monde d'ici un an. Et donc, le gouvernement l'a envoyé pour faire l'éducation des enfants. Des enfants assassins, pour le tuer. Donc tu te dis, mais c'est complètement con. Mais on est sur du concept. On n'est pas dans de l'explication encore. Donc, t'es quand même curieux de comprendre où est-ce que l'auteur veut en venir. Et c'est ça que je trouve pas mal dans le concept. C'est pas forcément parfait comme idéologie, si je puis dire, de se focaliser sur le concept au moment de créer son histoire, mais je pense qu'il y a quelque chose à en tirer quand même. Et pour en rester sur le registre du manga japonais, si ça a autant explosé ces 30 dernières années, c'est quand même pas pour rien. Il y a quand même de très très bonnes choses qui ont été tirées de cette façon de penser. Donc, à méditer. Maintenant, j'en viens à la méthode que je pourrais qualifier de franco-belge, parce que c'est très, ça a été très longtemps utilisé. Bon, aujourd'hui, les auteurs de bande dessinée français, ils s'américanisent beaucoup, ils préfèrent écrire des histoires dans un registre comics. Mais comics, je connais pas très bien, donc je préfère pas raconter de bêtises. J'ai uniquement lu Walking Dead, et c'est une œuvre majeure. Ça m'a complètement retourné le cerveau. Ça m'a fait dire, bon sang, la série au moins aura au moins eu un but, aura au moins eu un intérêt d'exister. La série Walking Dead, je parle, c'est parce que le comic, c'est absolument incroyable. Et comme je suis quelqu'un de très curieux, j'ai dévoré le comics, sans faire de mauvais jeu de mots avec les zombies, mais c'était incroyable. Zéro temps mort, tout le temps des choses intéressantes, beaucoup de drames entre les personnages. C'est vraiment une œuvre très très humaine, pas du tout orientée survie, zombies, sur un registre purement orienté horreur. C'est bien plus compliqué. C'est bien plus subtil que ça. Donc vraiment, Walking Dead, je vous le recommande si vous n'avez pas trop peur.
parce qu'il y a quand même des scènes, voilà, ils y vont pas de main morte sur le non censuré. Oh là là. Et donc j'en venais au deuxième concept, qui était celui de la situation, qui est beaucoup plus mise en application dans nos contrées à nous, comme on a pu le voir par exemple dans les bandes dessinées de type Astérix ou Tintin, parce que bon, c'est les deux. J'ai pas beaucoup lu de bandes dessinées franco-belges ou même françaises, même dans le passé. J'étais focalisé sur les Astérix parce que j'étais très très fan. Mais voilà, pour prendre l'exemple type d'une situation, bon, t'as le chef gaulois qui débarque au village d'Astérix, qui est en guerre contre César, et il laisse son trésor. Il laisse son trésor à protéger par Astérix, du coup. Il laisse Astérix le protéger, et il dit, bon, il y a le gars des impôts qui va bientôt débarquer. Moi, je sais que il va me dépouiller. Mon argent sera plus sûr chez vous, puisque vous résistez aux Romains. Ça paraît logique. Il y a une situation qui se crée, et le trésor est laissé dans le chaudron. Dans un chaudron de... C'était quoi? De soupe de poisson? Je crois. Enfin, je suis plus dans la situation, là. Tout de suite, j'ai oublié. Mais... comme par hasard, Astérix va se faire vider le chaudron. Ça peut être mal interprété ce que je viens de dire. Et il va se faire voler l'argent. Et il va passer toute l'histoire, toute l'aventure à essayer de désespérément de récupérer cet argent en allant chez les Romains, en ville. Bah, d'abord, il commence par fouiller les environs. Et ensuite, quand il comprend que l'argent est perdu, il essaie de le... Il essaie de se faire de l'argent pour rembourser sa dette. Et il y a tout un objectif qui s'enclenche, parce qu'il est banni du village. Il a fauté, Astérix. Il s'est fait voler l'argent. L'argent qui lui a été confié. C'est terrible comme situation. Et puis finalement, badaboum, retournement situation à la fin, on se rend compte que c'était le chef gaulois lui-même qui a volé son propre argent, afin de créer une dette pour que le village gaulois paye les impôts aux Romains indirectement. C'était extrêmement subtil. C'était très très intelligent comme histoire. Il y a beaucoup d'histoires comme ça dans Astérix qui méritent d'être lues quand on a un œil d'adulte. Parce que on voit les choses autrement. C'est très très intéressant. En matière de situation, je pourrais te sortir, je sais pas, il y a une météorite qui tombe sur l'entreprise de Gérard au moment même où il allait poser sa démission parce qu'il n'en pouvait plus du harcèlement moral au travail, et tout le monde le détestait, sa copine qui était sa collègue l'a largué et l'a humilié devant tous ses copains. Bref, le gars, il était parti pour se suicider. Mais au moment où il arrive devant les portes de l'entreprise pour déposer sa démission, il y a une météorite qui tombe dessus. Et là, d'un seul coup, il voit ça comme une illumination. Et il se sent béni des dieux. Et il décide de monter sa secte. Et voilà, je pars sur un truc complètement farfelu. C'est... Bah là, en fait, on est entre la situation et le concept. Il y a un peu des deux. Donc je ne sais pas si c'est vraiment le meilleur exemple. En fait, tu peux partir d'une situation complètement banale, tourner ça en drame, mettre des obstacles sur la route du héros, et c'est parti, rouler. L'aventure, l'histoire, elle peut commencer à partir de rien. Et après, ça peut partir sur de très longues distances. Il n'y a qu'à voir la série Breaking Bad. C'est, je pense, l'un des meilleurs exemples qui existe dans toute l'histoire des séries télé.
le gars qui n'a rien demandé à personne, qui est prof de chimie, qui apprend du jour au lendemain qu'il y a un cancer en phase terminale. Il est pauvre, alors que c'est quelqu'un d'extrêmement brillant. Bah du coup, qu'est-ce qu'il fait? Eh ben, il va utiliser ses compétences pour fabriquer de la méthamphétamine et devenir le roi des cartels. Ça, c'est brillant. Et ça commence par un drame. Le gars, il est sur le point de mourir, au début de la série. Il dit, oh là, c'est chaud. Je crois que c'est ça, en fait, le meilleur truc à en tirer de la structure d'un récit, c'est pour le plan de base, on essaye de chercher un concept qui attire le regard et pour le reste on enchaîne des situations toutes plus difficiles, dangereuses pour le personnage en fait, pour faire monter la tension, pour qu'il y ait du suspense et pour garder l'attention du lecteur. Je pense que c'est la meilleure des choses à faire. Ensuite, bon, comme je le disais, les youtubeurs que je regarde pour voir quels sont leurs avis sur la structure du récit, ils vont te parler de tout un tas de choses, genre tu dois faire une fiche personnage, des fiches personnages détaillées, afin de savoir précisément quel est son vécu, vers où tu veux le mener, jusqu'à ses mensurations, bref, parfois ça va un peu loin, tu te dis, bon, moi j'aime bien être un peu plus abstrait, tu vois. Quand je fais de la description d'environnement, je fais pas particulièrement la description de personnage. À la limite, je dis, bon, celui-là, il a les cheveux longs, celui-là, il a une voix un petit peu gutturale, celle-ci, elle a les yeux rieurs, celle-là, elle a un sourire de biche crevée. C'est des petits détails qui peuvent même parfois amener un sourire. Et puis pareil, on parlait du plan du récit. Bon, ça dépend un petit peu, ça dépend vraiment de chacun, de comment est-ce que vous entrevoyez votre roman. Est-ce qu'il est long? Est-ce qu'il est plutôt court? De toute manière, il faut toujours s'assurer qu'à la lecture, vous soyez le plus facilement compris du plus grand public. Donc, ma foi, établir des plans avec grand 1, petit 1, petit 2, petit 3, telle ou telle situation, non, c'est intéressant. C'est intéressant, et je dis pas que c'est une mauvaise idée, mais... Voilà, comme je disais tout à l'heure, je visualise beaucoup plus les scènes comme si c'était des scènes de films audiovisuels, parce qu'on est dans une époque où on est éduqué à l'image et fatalement ça se retransmet aussi à l'écrit. C'est-à-dire que quand je suis dans mon lit le soir et que je me dis tiens, cette scène, ce truc que j'ai dans ma tête là tout de suite maintenant, c'est formidable. J'ai un dialogue, j'ai une situation qui va parfaitement coller avec le roman que je suis en train d'écrire. Vas-y, j'écris deux lignes sur un bout de papier, sur mon calepin, et ensuite, roulé-boulé, le lendemain matin, je suis reparti. Mais après, moi je suis quelqu'un de très anarchiste sur le plan de l'écriture. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas de... Il n'y aura jamais de plan ultra détaillé, avec scène par scène, etc. Non, j'ai... considère que ma vision de l'écriture, c'est comme une sorte de gruyère, d'énorme gruyère, qu'on comble petit à petit. Alors effectivement, si au moment d'écrire le premier chapitre du roman, j'ai pas toutes mes idées qui sont claires, sur le début, au moins, du roman, avec tous les concepts que je veux mettre là-dedans, avec les personnages que je veux caractériser, que je veux décrire pour facilement les rendre accessibles au public. Bon, on va avoir quelques menus soucis par la suite, parce qu'au moment de la correction, je me dirais, tiens, ce personnage-là, il était complètement différent au début de ce que j'en ai fait à la fin. C'est des choses qui se retrouvent parfois en fiction.
Et c'est pas forcément une bonne chose. C'est bien d'avoir des personnages qui sont toujours dans le même état d'esprit. Enfin, dans le même état d'esprit. Qui sont toujours les mêmes, quoi. Après, tu les fais évoluer, mais tu les fais évoluer de sorte à ce que ça paraisse cohérent avec, avec leur vécu. Pas un truc trop farfelu. Et voilà, je parlais du plan, de structurer tout ça peut-être avec un peu plus de légèreté au début, pour ensuite affiner au fur et à mesure. Moi, c'est ce que je fais, c'est les scènes, elles me viennent parfois à l'esprit. Quand je suis dans mon lit le soir, je me dis, oh là là, ça c'est génial, je vais écrire ça de côté, et puis je broderai autour. En fait, le truc le plus satisfaisant pour moi quand j'écris, outre le moment où je me relis et je me dis ouais, ça, ouais, c'est pas mal. J'arrive à rire encore de mes propres blagues, ça va. Bon, y a pas que les blagues, mais moi je sais que l'humour, j'y suis très, je suis très atteint par l'humour. J'aime beaucoup me marrer quand les personnages dialoguent entre eux et se renvoient la balle. Je pense que c'est l'un des domaines dans lequel j'excelle le plus. J'aime beaucoup ça. J'aime beaucoup quand les personnages s'envoient chier mutuellement. C'est merveilleux. On se croirait dans la vraie vie, sur le coup. Donc quand je parlais des trous à combler dans l'histoire, moi c'est ça qui m'intéresse le plus, c'est ça que j'adore quand j'écris, c'est de ne pas savoir exactement de quelle manière est-ce que je vais arriver au point que j'avais prévu. Admettons... le personnage principal est dans un caca noir, pour ne pas être vulgaire. Et il doit trouver de l'argent, à tout prix. Moi, je sais qu'à la fin, il va trouver de l'argent parce que sa grand-mère va décéder et lui laisser un énorme magot. Donc je sais déjà comment ça va se finir. Mais j'adore l'idée d'écrire tout ce qui va s'en suivre jusqu'au point de désespoir où le gars... il va péter les plombs parce qu'il n'a vraiment plus aucune solution. Là, il se dit, je vais finir par me prostituer dans la rue, ou je vais finir bandit, et on va me coller une balle dans la tête un jour ou l'autre. C'est pas possible. Il me reste plus que ça dans la vie. Et là, badaboum, t'as la grand-mère qui meurt et elle lui laisse le magot. Là, tu fais, ah, c'est génial. Et là, mon esprit absolument... sadique veut que ce même magot, il va galérer pour l'obtenir parce que il y aura des problèmes avec les huissiers de justice ou je ne sais quoi qui vont l'empêcher de toucher la somme parce que il se trouve que la grand-mère en fait elle avait un petit protégé et c'était à lui qu'elle voulait donner malgré le fait que c'est au personnage principal que l'argent revient. Et quand bien même il obtient l'argent, ce même argent va disparaître. Enfin, est voué à disparaître parce qu'il va avoir un accident de voiture et il va falloir payer les réparations. Et en fait, l'accident de voiture, il a eu avec le préfet. Le préfet qui trouve que sa conduite a été trop dangereuse et qui veut le mettre en prison. Donc il doit payer un avocat avec tout cet argent pour se défendre. Et là, rebelote. C'est toujours de pire en pire. C'est ça que j'aime bien. C'est le ping-pong dans les dialogues, parce que ça, c'est mon petit péché mignon. Mais le ping-pong dans les obstacles et les situations de plus en plus dramatiques pour le personnage, ça c'est top. Et bon allez, je vous le dis quand même, parce que ça c'est quelque chose que j'aime beaucoup. J'adore tuer mes personnages aussi. Ouais, j'adore qu'on... J'adore l'idée que les lecteurs s'attachent aux personnages pour qu'ensuite je les massacre. Du coup, ça retourne un peu les cerveaux, ça fait réagir. C'est un peu comme sur Internet quand il y a un clash, ça fait le buzz. Bah là, c'est un peu la même idée. Ouais, c'est Game of Thrones qui m'a appris ça. Ouais. J'ai jamais dit que j'étais sain d'esprit. En fait... je crois surtout que cette vidéo commence à être un peu longue et qu'on a à peine gratté la surface, donc je pense qu'on fera une deuxième vidéo à un moment donné sur la structure du récit, parce qu'on n'a pas parlé du sens
de quel est le message que l'on veut apporter aux gens, quelles sont les symboliques, les unités de lieu, etc. Parce que je fais tout de tête, à l'improvisation. Je suis pas un intellectuel, moi. Je parle en fonction de ce qui me vient à l'esprit. Donc, non, je me dis, on a quand même pas mal développé sur le sujet du plan. Alors, si je devais conclure rapidement, je dirais que c'est chacun pour sa gueule, quelque part. Chacun fait comme il veut. Maintenant, sans vous mentir, j'ai une mémoire qui est assez bonne par rapport à ce que je veux écrire, même s'il y a toujours des détails qui sont un peu hasardeux et qui méritent d'être mis de côté, notés sur un bout de papier pour pas oublier. C'est ce que je fais par hasard. Si, là, je te donne un exemple. Admettons, dans le chapitre 4, je laisse un petit fusil de Tchekhov, c'est-à-dire un objet, une situation qui est menée à bouger par la suite. Et que cette situation-là n'était pas prévue au départ, quand j'ai eu l'idée d'écrire le roman. Je sais pas, je vais te donner une idée. Voilà. C'est un truc complètement débile, hein. Attention, parce que je suis en impro. Le personnage ne sait pas quoi faire de sa vie. Il est complètement perdu, il a perdu son travail, il ne sait plus quoi faire. Bon, t'as un fusil de Tchekhov chez lui, c'est une pelle, un râteau, et deux chapitres plus loin, en fait, alors qu'il est au bord de la dépression, qu'il est bourré H24, il va voir la pelle et le râteau, il va se dire, tiens, je vais me mettre à nettoyer les sols. Je vais me mettre à nettoyer les sols et je vais créer mon entreprise de nettoyage de sols et je vais me faire plein d'argent sur le dos des pauvres gens qui n'ont pas leurs papiers et qui vont travailler pour moi. Je vais devenir le mania du nettoyage. Bon, là, je t'ai donné un concept un peu farfelu et même très, très inhumain. Mais voilà, c'est ça le fusil de Tchekhov, c'est que sur le coup, j'y ai pas pensé. Mais je me suis dit, tiens, ce personnage-là, plutôt que de le laisser sombrer, on va lui retourner le cerveau et faire de lui quelqu'un de profondément mauvais. Dans sa réussite, il va être de plus en plus mesquin, et si ça se trouve, le personnage principal sera amené à le conduire à la police. Mais au départ, ce personnage-là, il devait juste être un dépressif qui foutait tout en l'air. Bon bah écoute, là j'ai changé, parce que j'ai inventé un fusil de Tchekhov. Il a une pelle et un râteau dans un coin de sa pièce, et c'est ça qui va l'inspirer pour monter son entreprise. Il va se dire non, je vaux mieux que ça, je vais tout détruire. Donc voilà, pour ma part, j'écris tout au fur et à mesure. J'établis quand même un plan par rapport au concept, ce que je veux écrire, parce que j'aime bien écrire des histoires qui s'inscrivent dans un registre, dans un genre particulier. Par exemple, le premier tome de Fluff, si on oublie le concept que je veux mettre en place, un peu fantaisiste, de la machine à voyager dans les rêves, c'est avant tout un thriller. C'est avant tout un thriller. C'est une guerre psychologique entre plusieurs bandes rivales pour s'accaparer le pouvoir de la machine, en quelque sorte. Donc moi, j'aime bien l'idée que le premier tome, ce soit un thriller, que le deuxième, ce soit plutôt un récit d'aventure héroïque, même, j'ai envie de dire. Donc de l'héroïque fantasy, presque. Ouais, presque. Et le troisième, que ce soit plus un truc orienté super-héros. Le quatrième, plutôt un truc intimiste, tu vois. Mais j'aime bien fonctionner par genre, parce que je trouve ça plus intéressant d'écrire toujours quelque chose de différent dans l'ambiance, plutôt que de rester toujours dans la même ambiance. J'ai tendance à m'ennuyer assez vite si je dois toujours écrire dans le même registre. Voilà.
puis pour ce qui est des unités de lieu, j'avoue, j'improvise au fur et à mesure. J'ai dans l'idée à chaque fois qu'est-ce qui va se passer grosso modo dans le chapitre. Mais le comment on va y arriver, ça c'est au fur et à mesure. Et plus on approche de la fin, plus les idées que j'ai sont déjà détaillées dans ma tête, parce que je réfléchis toujours la fin avant d'écrire le début de mon roman. Parce qu'en fait, la fin, pour moi, c'est l'apothéose. Comme je disais, j'ai été éduqué à l'image. Et pour moi, le dernier chapitre, c'est toujours le grand climax. C'est toujours la grande résolution. C'est là où il y a toute l'action. C'est là où il faut que les choses bougent, vraiment. Et on ne laissera rien au hasard. Mais mine de rien, il faut quand même que ça bouge pendant le roman. Donc la partie la plus difficile, et ça c'est quelque chose que vous retrouvez souvent, c'est le syndrome de la page blanche quand vous arrivez au milieu. Vous savez que vous devez ralentir le rythme, parce qu'il faut reposer les bases, il s'est passé beaucoup de choses. Et en réalité, vous voulez juste repartir à l'action en tant qu'auteur, parce que c'est ça qui... c'est ça qui excite, quoi. C'est ça qui donne envie. Mais non, il faut faire reposer les situations, reposer les personnages, montrer qu'ils évoluent, et à partir de cette évolution-là, justifier qu'ils arrivent au bout de leurs objectifs. Voilà. Donc c'était très très long, je pense, mais je crois que cette vidéo était nécessaire, et on en reparlera. On en reparlera de la structure du récit, parce que tout n'a pas été dit aujourd'hui. J'essaierai de structurer la vidéo la prochaine fois. Ça sera peut-être un peu plus digeste. Allez, à tantôt et à demain. Attends, je suis arrivé par là ou par là? Je crois que je me suis paumé. J'ai été un peu trop anarchiste dans ma structure. Bon, heureusement qu'on a la 4G et Internet, hein. Sinon, on serait mal barré.